Cantero. Cantero. Bah, on peut se trouver, hein. Merci. C'est pas loin. Allez, vas-y, présente-nous le personnage qui vient maintenant. C'est un magicien que vous avez peut-être vu chez nous il y a 4-5 ans, mais il a une classe. Alors, il fait de la magie de manipulation. Ouais. Il est américain et il s'appelle Rocco. Ah oui. Puis vous allez voir, il y a à manger. À boire et à manger. On peut dire ça, hein. Rocco, dire... tu es là? C'est un amour, en plus. La classe. Vous allez voir la classe.
Et allez! Et la cigarette est allumée, Monsieur Rocco! Et c'est pas fini, regardez sa charmante fiancée, parce que c'est sa fiancée. À qui on la donne, la rose? Ah ben oui, ah ben tout pour elle, hein. La chance que tu as, Ornella, ce soir. Il s'appelle Rocco, il a un énorme talent. Ça se passe bien, mes enfants, hein? Ah ben Ornella, t'as été gâtée, hein. Est-ce que tu es contente d'être avec nous ce soir? Ben oui. Très parce que tu connaissais pas l'émission, hein, toi. Non, pas du tout. Ça, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui connaît pas du tout l'émission. Oui. Et je suis ravi de mettre des étoiles dans tes yeux. Merci. Voilà. Moi plus aussi. La rose, plus le collier. Applaudissez encore. Ornella, que vous allez pouvoir aller voir en chair et en os pour la première fois à Paris, à l'Espace Cardin. Je crois que c'est ça. Oui, l'Espace Pierre Cardin à partir du 7 mai. Ça s'appelle Le Juif. On en parlera plus tard. Et je voudrais quand même qu'on applaudisse celle qui fait la pluie et le beau temps dans notre pays, Tania Young. Prends ton micro. Je le prends. Ben oui, parce que t'as plus l'habitude maintenant. À la... Quand tu présentes la météo, t'as un petit truc accroché, ici. Là. Non, mais tu as un micro dans Incroyable Expérience. Oui, j'ai un micro c'est qui est accroché aussi. Incroyable Expérience, c'est sur la 3. C'est avec Jamy. Voilà. On a mis Jamy. Ça marche bien, des ça. Des expériences incroyables. De toute façon, t'es une curieuse. Oui. T'es quelqu'un du Sud-Ouest. Mon petit doigt m'a dit... Mon petit doigt m'a dit que tu t'intéressais aussi beaucoup au cirque parce que tu as enregistré... Oui. Tu as enregistré... Le cirque de Monte-Carlo. Le cirque de Monte-Carlo. Voilà. Eh ouais. Où t'as dû voir des numéros. J'ai vu des numéros incroyables. C'est magnifique. C'est magnifique. Je salue Albert. Je salue la princesse Stéphanie. Je t'embrasse. C'est vrai que c'est un festival magnifique. Ils sont amoureux du cirque là-bas. C'est magnifique, ça mais c'est très beau ici aussi. Ça va passer bientôt sur la 3. Sur la 3. Et puis il paraît que tu vas faire Faut pas rêver. Eh oui, il paraît aussi. C'est toi oui, qui vas partir. Oui, je vais partir dans le monde entier. Je vais voyager. Bah, je vais voyager. Je vais sillonner le monde et je vais rencontrer des gens surtout. Voilà, rencontrer des personnes.